Les autres Hachem, aujourd'hui, c'est le Hushpizin d'Aaron à Cohen. Expliquons un peu comment ça se fait que dans certains livres, quand on regarde le Hushpizin, on voit qu'il y a deux ordres différents. Dans certains livres, ils vont en ordre chronologique. Donc, ils vont faire Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Atzadik, Moshe, Aaron et David. Mais dans deux autres livres, surtout les livres qui vont selon la Kabbale, on trouve que c'est Abraham en premier. Yitzhak Yaakov, Moshe quatrième, Aaron cinquième, Yosef Hatzadik sixième et David Amelech le septième. Comment ça se fait Alors selon la Kabbale, selon les sphères, nous avons sept sphères. Chagat naim. Chagat naim veut dire Chesed Gevura Tiferet. naim, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et chacun. Il se réfère à une sphère. Avram, c'est le hesed. Alors, c'est hesed. Yitzhak, c'est Gevura. Alors, il est deuxième. Tiferet, c'est Yaakov, qui est le, le, la synthèse entre le hesed et la Gevura. Ensuite, nous avons Netzach. Netzach, c'est cher Rabbeinu, qui est Achuz, qui est attrapé dans cette qualité de sphère de Netzach. Ensuite, nous avons Hod, qui est Haron. Nous avons le Yesod, qui est Yosef Hatzadik, Yessod en l'âme, et ensuite nous avons la Malchoute, la royauté qui est David Ameler. Alors c'est important de garder, selon la Kabbale, cet ordre avancé, Moshe et Aaron avant Yosef. En plus de ça, il y a un de rabbis qui a expliqué que quand on avance Moshe et Aaron, le jour, le quatrième jour je Shpizin, toujours, ça va être le jour où tombera Zain Adar. Ça veut dire que si, par exemple, Moshe Rabenu, il est venu de pisine et c'était mardi, le Zain Mardan, Adar prochain, ça va être un mardi. La même chose pour Aaron à Cohen. Si c'est mercredi, parce qu'il suit Moshe, alors le Rosh Chodesh Av, de l'année qui s'en vient, comme il est décédé il va et ça va être le mercredi. Alors c'est toujours on essaye de placer même selon le mon Moshe Aaron en premier, car le jour qui vont venir dans leur pisine, ça va être leur jour de leur Hilula dans l'année qui s'en vient. Aujourd'hui la Hilula d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est grâce à lui qu'Hashem nous a donné un année à Kavod. Le, le nuage de gloire, le nuage de protection, sept nuages, quatre sur le quatre coins cardinaux, nord, sud, est, ouest, un en bas pour qu'on marche, qu marche sur un nuage et pas sur le sable du désert pour ne pas être mordu ni par des serpents ni par des scorpions, un nuage par-dessus de nous. Pour nous protéger du soleil ardent dans le désert et des pluies et des intempories. Et en plus de ça, un nuage qui allait en avant et qui a platissé les surfaces ou remonté les surfaces pour qu'on n'a pas, qu'on a à marcher que sur une surface plate et pas descendre et, et, et monter. Maintenant, tant qu'on était dans le nuage, on était protégé. Et aucun, aucune nation, aucun ennemi pouvait nous attaquer. Même d'ailleurs Amalek. Quand il est venu attaquer le peuple, c'est écrit Kol Hanicheshalim Acharecha. Parashat Beshalach dit qu'il a attaqué tout cela qu'ils étaient en arrière. En arrière de quoi Dirachi, chaque fois que quelqu'un faisait un péché, le nuage le rejetait. Imaginez-vous, on est tous protégés par des nuages. On est en protec pleine protection. Mais dès que tu fais un péché, le nuage ne t'accepte pas. Et là, tu es rejeté en arrière du camp. Viens Malek qui attaque, pas le peuple d'Israël, il ne peut pas. Ils sont, ils sont protégés. Même quand les Égyptiens voulaient attaquer le peuple d'Israël, c'est écrit que le nuage acceptait toutes les flèches qu'ils jetaient et ils rebondissaient sur les Égyptiens. Alors, à qui il a pu s'attaquer à Malek? Il s'est attaqué à à Acharicha. Ce qui était faible. Rachid dit faible, pas physiquement. Faible spirituellement. Et enfin, à Malek, il est venu attaquer ce type de personne. Pour dire que, Am Israël, a été toujours protégé par le nuage de la gloire. Et c'est la même chose. La Shekhina, elle est toujours là pour nous protéger. Et là, explique le Zohar quelque chose d'extraordinaire. Comment ça se fait qu'on trouve des grandes sadiquines qui ont été jetées dans les fosses des lions et ils ont été sauvés. Il prend l'exemple de Daniel. Daniel qui était un prophète à Babylone et qu'il avait beaucoup d'ennemis et jusqu'à qu'ils ont convaincu Nebuchadnezzar de jeter Daniel dans la fosse des lions, rien lui est arrivé. Pourquoi Dit le soir, parce que quelqu'un qui ne fait pas de péché, automatiquement, il crée comme une certaine aura autour de lui. Et là, le lion, quand il le regarde, il le regarde comme un homme saint, un sadique, et ils ne peuvent pas l'attaquer. Mais dès que quelqu'un fait des péchés, cette protection s'enlève de la personne. Et là, la personne a l'air d'un animal aux yeux de l'animal qui veut l'attaquer. Et là, le lion s'attaque à la personne. Pour dire que Anané et Kavod, ils sont toujours là. Ils sont toujours là en train de protéger. Et personne ne peut faire mal à aucun juif qu'il a cette protection d'un à c'est un à kavod qui vient de la qualité de Aaron il faut aimer la paix il faut courir après la paix il faut aimer la Torah il faut rapprocher le gens vers la Torah et là tu es protégé par ces nuages que Aaron il a pu donner comme cadeau à Amisraël. ainsi chacun de nous pourra avoir cette protection mais il faut être toujours à l'intérieur du nuage pour être protégé par ces nuages. Et pendant la fête de Sukkot, ces nuages sont représentés par la souka. Chaque fois qu'on va rentrer dans la souka, on est sous la protection de ces nuages. La souka est temporaire, mais elle a des grandes bases de protection. C'est là elle, elle renferme en elle ce miracle de nuages qui protégeait l'armée israël. Alors quand on rentre, dans la soukha, on plonge dans le nuage de protection. Bezrat Hashem au mérite d'Aaron à Cohen et ces nuages qu'on a reçus dans le désert, que tout l'âme Israël soit protégée, que tout l'âme Israël guérisse et Bezrat Hashem qui m'a revient, bimera bemenu. amen, ve amen.